Nous rendons également gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois d'être avec vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. Souffrez donc que nous commencions par une petite prière. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te glorifions, la source de toute vie. Maître de l'univers invisible et visible, que la gloire te soit rendue parce que tu as voulu, dans ton amour, nous envoyer sur la terre, te précéder sur la terre, afin que nous puissions contempler ta création, afin que nous puissions contempler tes merveilles. Éternel Dieu, nous savons que le jour, la nuit est avancée et que les jours se pointent bientôt à l'horizon. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous prépares afin que ces jours-là, nous puissions te rencontrer. Les temps où nous voulons écouter ta parole, cette parole qui est une eau pure, capable de nous laver et de nous sanctifier, laisse que celle-ci nous apprête à ta rencontre, comme une femme qui s'apprête pour rencontrer son époux au jour de son mariage. Tel est notre souhait, tel est notre vœu en ce jour. Exerce ainsi l'oreille et l'entendement de tout un chacun de nous, afin que nous puissions sonder les profondeurs de ta parole, afin que nous puissions comprendre les labyrinthes qui forme ta demeure. Nous t'avons ainsi prié par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, nous bénissons les noms du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous est accordée pour qu'en ces jours, nous puissions ensemble encore une fois partager la parole. Je voudrais saisir cette occasion d'abord pour remercier toutes les personnes qui ne cessent de me faire des remarques sur la manière d'aborder les Écritures. Toutes les personnes qui me donnent des conseils sur la manière de comprendre les choses de Dieu. J'ai également entendu les appels des uns comme des autres, me rappelant que je dois également tenir compte de la marche de tout un chacun. Voilà pourquoi tout au long de mon intervention, je me permettrai de jouer au jeu de ping-pong des Écritures. C'est-à-dire que chaque fois que je monterai, je descendrai. Chaque fois que j'apporterai une portée prophétique ou spirituelle de l'Écriture, je me ferai violence pour que la portée évangélique et pastorale puisse marcher avec nous, afin que même quelqu'un qui pourra nous rejoindre en ces jours, qu'il soit capable de nous comprendre et de nous saisir. Pour que même celui qui ne m'a jamais écouté soit à même de nous saisir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté que vivre la vie de la parole consiste à la compréhension de l'Écriture. Si le peuple ne comprend pas l'Écriture, si le peuple ne comprend pas les profondeurs de Dieu, alors il ne peut pas s'approcher du royaume. Donc pour s'approcher du royaume, il faut comprendre les dieux qui est caché dans les Écritures. Voilà pourquoi j'ai pris le Saint-Esprit, parce que c'est lui le véritable compagnon, qu'il puisse instruire tout un chacun de nous à saisir avec profondeur les choses que nous allons devoir aborder. Nous commençons aujourd'hui la deuxième partie de notre intervention concernant Judas et Tamar. Comme vous le savez, Judas va donc engrosser sa belle-fille, femme de son fils. C'est très important. C'est ça notre thème principal. Nous nous posons la question de comprendre pourquoi un homme
ira-t-il avec la femme de son fils? Va-t-il engrosser cette femme? Comment Dieu prendra une telle chose? Dieu va la consigner dans la Bible et dire que c'est sa parole. Voyez-vous? Parce que selon l'intelligence des hommes, selon la compréhension humaine, un homme qui coucherait avec la femme de son fils est une abomination. Souvenez-vous, c'est très important. Lorsque j'étais en train de vous parler sur la nudité des parents, je vous avais dit que Dieu avait dit à Moïse que quiconque découvrirait la nudité de sa belle-fille est sous les coups de la malédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez ces choses. Donc, quiconque, je viens de recevoir l'appel de ma bien-aimée sœur Déborah. Alors, je voudrais juste lui faire comprendre que je suis en direct. Comme ça, au moins, elle pourra nous retrouver sur la ligne. Je reviens. Donc, comment le même Dieu qui a dit que tu ne peux pas découvrir la nudité de sa belle-fille, prend une histoire de Juda qui va aller avec la femme de son fils au point de donner naissance à cette femme, parce que nous allons étudier toutes ces choses, parce que vous allez aussi remarquer que même la lignée de Jésus provient de cet acte-là. Voilà pourquoi nous croyons, si quelqu'un répète la Bible noir sur blanc, alors à un moment donné, il va être scandalisé au travers des choses qu'il va lire. C'est pourquoi le ministère est accordé à l'Église pour que ce qui est incompréhensible, ce qui est insaisissable, soit capable d'être compris et saisi par les hommes, de par le fait que le ministère peut expliquer ces choses. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi dans toute ma démarche, je me ferai donc violence pour que vous compreniez cet enseignement. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça fait un temps que je ne suis pas en train de prêcher. Les gens qui ont le Saint-Esprit vont donc être capables de faire la différence entre la prédication et l'enseignement. Donc, dans l'enseignement, nous entrons dans les détails de ce qui est écrit dans un texte. Nous soulevons des questions et nous en donnons l'intelligence. C'est très important. C'est ce que nous appelons enseignement. Alors que la prédication, voyez-vous, nous survolons les grandes lignes de la Bible pour exciter le peuple à aimer Dieu. C'est pourquoi je vous avais fait la promesse que je prendrai le temps pour expliquer les différents ministères de la parole et comment s'exercent différents ministères. Comment comprendre les différents ministères? Je donnerai les grandes lignes. Ça vous permettra de faire la différence entre les prophètes ministres, avec les pasteurs, avec les apôtres, avec les docteurs, avec les évangélistes, chaque fois que nous abordons les Écritures. Voyez-vous, frère? Donc, il y a des gens qui peuvent aborder les Écritures comme prophètes. Il faut que vous soyez capable de distinguer le ministère dans son parler. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse dans son chapitre 38. Nous rentrons là-bas. Les gens qui ne nous ont pas suivis la fois passée, vous n'avez qu'à rentrer sur ma page, vous trouverez la première partie. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie. Genèse chapitre 38, je vais lire les versets 1er, 2, 3 et 4. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. La Bible dit, en ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua,
Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Jida était à Zib quand elle enfanta. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons expliquer les trois fils de Jida. Et j'aime la Bible. Parce que vous avez remarqué que ici, Jida ne donne naissance qu'aux enfants des sectes mâles. Donc, certainement que Jida était chanceux pour ne donner naissance qu'aux garçons. Mais je vous avais dit la fois passée que le fait de Jida de s'éloigner de ses frères pour aller dans le pays de Canaan, j'ai expliqué que ce mouvement-là, c'est le mouvement des dieux qui quittent le trône, qui quittent l'éternité pour aller vers les nations. C'est très important de retenir ce que j'ai dit. J'ai expliqué que se séparer de ses frères, c'est en réalité abandonner la maison d'Israël pour aller vers les nations. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit que l'écriture en elle-même peut comporter plusieurs ombres. Dans une même écriture, nous sommes capables d'en dégager ou de dégager plusieurs ombres. Je rentre dans le premier verset. Quand on dit que Judas s'éloigna de ses frères, c'est aussi le mouvement des dieux qui quitte l'éternité, qui vient dans le monde. Voilà pourquoi je vous ai expliqué la fois passée que Cana ici veut dire le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez remarquer que Cana ne veut pas dire monde partout. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Donc, il ne faut jamais avoir une vision monolithique d'une écriture. Surtout quand il s'agit d'une écriture de l'ombre. Donc, l'écriture de l'ombre présente plusieurs réalités. Donc, la même réalité qui est une écriture peut dégager plusieurs ombres. C'est pourquoi je vous ai toujours rappelé la course du soleil. Je vous ai dit que quand le soleil fait sa course, elle dégage plusieurs ombres en fonction des heures. Je vous avais dit, quand le soleil s'élève à 6 heures du matin, l'ombre que le soleil va dégager sur la terre est différente de l'ombre que le même soleil dégagera à 7 heures. Elle est différente de l'ombre du même soleil qu'il dégagera à 8h, à 9h, à 10h, à 11h. Donc, à chaque fois que le soleil est en train de marcher, le soleil est en train de dégager plusieurs ombres pour une même réalité. La chose est simple à comprendre. C'est pour tout simplement dire qu'une même réalité peut avoir plusieurs sens, peut avoir plusieurs interprétations. Voyez-vous? Donc, Cana n'a pas la même explication partout. Quand l'Éternel Dieu a Israël que je t'ai fait sortir de l'Égypte pour t'amener à Cana, ce Cana-là n'a pas la même interprétation de ce Cana dont je parle maintenant ici. Parce que ce Cana que Dieu fait promesse à Abraham, ici Cana devient l'image de l'éternité. Cana devient l'image du repos. Est-ce que vous voyez? Mais ici, c'est le mouvement contraire qui s'est fait. C'est le mouvement de quelqu'un qui abandonne ses frères, voyez-vous, maintenant qui vient dans Cana. Et je vous ai dit ici, Cana explique le monde. Je veux que vous m'écoutiez attentivement, parce que si vous me ratez maintenant, quand j'interpréterai les trois fils de Juda, vous n'allez pas comprendre. Donc, Cana ici typifie le monde. Et Juda qui se déplace, c'est donc l'Éternel Dieu lui-même qui quitte l'éternité et qui vient dans le monde. Et en venant dans le monde,
il va se prendre une femme. Donc le problème de Dieu, c'est que Dieu s'est cherché une femme. Voilà. J'aime ça. J'adore ça. Je vous avais dit la fois passée que... Je vous avais expliqué la fois passée que... Quand tu es en train de lire l'histoire d'Adam, Adam était l'ombre de Dieu. Donc, la réalité, c'était Dieu. Adam n'était que l'ombre de Dieu. Je répète ça. Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Donc, Adam est l'ombre de Dieu. Donc, enlève d'abord l'explication que tu as. Adam, c'est toi et c'est moi. Ok? Mettez ça un peu à côté. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Non. J'ai dit ici, faites attention, mettez à côté. Donc, Adam est l'ombre de Dieu. Or, l'ombre n'est que l'ombre d'une réalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'ombre en lui-même n'est pas une réalité. L'ombre en elle-même n'est pas une réalité. Donc, l'ombre n'est que le reflet de quelque chose d'autre. Donc, Adam n'est que l'image de Dieu. Adam est une fausseté. J'aime ça. Donc, Adam n'est pas vrai. Le vrai, c'est Dieu. C'est pourquoi Paul dit, l'ombre est appelée à disparaître. Parce que la réalité ne peut pas disparaître. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Adam n'est pas vrai. Adam, c'est une fausseté. Ici, je ne dis pas que Adam n'a pas vécu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il est vrai que Adam a vécu sur la terre comme un homme. Mais quand on regarde avec l'œil de Dieu, nous comprenons que Adam n'est pas la vérité, n'est pas la réalité. Donc, quand nous regardons Adam, nous ne comprenons pas la réalité. Donc, parce que la réalité, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais cependant, Jésus répond à Pilate que je suis la vérité. Celui qui était en train de parler aux Juifs, il était debout, vivant, il les voyait. Mais Jésus leur dit, vous connaîtrez. C'est-à-dire que celui que vous voyez ici, ce n'est pas le vrai. Mais lorsque vous connaîtrez, voyez-vous, c'est alors que vous serez affranchi du péché. Donc, tout ce qui apparaît ne constitue pas la réalité. J'insiste sur ces choses. Donc, Adam n'est pas la réalité. Adam est ombre. Il est l'ombre de la réalité. Maintenant, vous comprenez que lorsque Adam se marie à Ève, l'os des maisons chères de ma chair, en réalité, ce n'est pas Adam qui s'est marié. En réalité, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu parlait de lui-même. Je vous avais dit la fois passée que dans toute la Bible, Dieu parle toujours de lui-même. Donc, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Non, non, bien aimé. En fait, c'est Dieu qui se sentait seul. Donc, Dieu avait besoin d'une femme. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Faites attention. Nous expliquons les choses. Nous partons des choses terrestres. Mais pour expliquer les choses célestes. Donc, il ne faut pas imaginer que Dieu avait besoin d'une femme comme toi, tu en as besoin, comme ça, charnellement. Non, ce n'est pas ça. Mais dans ce que nous voyons dans Adam, Dieu est en train d'expliquer, il s'explique lui-même. Il est en train d'exprimer son état. Ouais, c'est son intérieur que Dieu est en train d'expliquer. Donc, Dieu nous expliquait par la création d'Adam que Dieu voulait se marier. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Dieu s'est créé dans Adam. C'est dans Adam que nous comprenons la création de Dieu. Voilà pourquoi Paul avait raison de dire. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature, c'est un enseignant. Au regard de la nature,
nous pouvons comprendre Dieu. Est-ce qu'on me saisit? Donc, quand Adam se prend une femme, Dieu explique, il s'expliquait lui-même. C'est ce que j'explique dans Genèse chapitre 38, premier verset. Judas s'éloigna de ses frères. Est-ce que vous comprenez? Judas s'éloigna de ses frères pour aller trouver une femme dans le pays de Cana. C'était le déplacement de Dieu lui-même. C'est vrai? Donc, Judas, ici qui se déplace, c'est Dieu qui se cherche une femme. Maintenant, Dieu se cherchant une femme, il va trouver une femme à Cana. Où? Dans le monde. Donc, nous comprenons que la femme, on ne peut la trouver que dans le monde. Maintenant, je vous avais dit que chaque fois que je volerai, je descendrai. Là, je viens de voler. Je vais descendre pour que toi, tu puisses bien me comprendre. La femme, on la trouve dans le monde. Or, je vous avais dit la fois passée que Cana typifie le monde. Cana typifie là où il y a le péché, l'immoralité, l'impureté, la cupidité. Toutes sortes de péchés, c'est dans Cana, c'est dans le monde. Donc, nous comprenons que nous, qui sommes femmes de Dieu aujourd'hui, nous étions d'abord dans le monde. Donc, nous étions pécheurs. C'est ça. C'est pourquoi Judas va chercher une femme à Cana. C'était pour expliquer que nous étions dans le monde. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que j'expliquerai que la femme ici, c'est aussi Israël, c'est aussi les nations. Toutes les deux, c'est la femme. Cette femme explique ces deux choses. Mais ici, je descends. C'est-à-dire, je fais la marche pastorale et la marche évangélique. Donc, Cana, c'est là où se trouve la femme. Donc, la femme est d'abord dans le monde. Voilà, c'est ce que nous étions. Nous étions sans Dieu, n'ayant pas droit de cité dans la maison d'Abraham. Nous étions sans espérance. Nous étions des voleurs, des impudiques, des malhonnêtes, des cupides, des haineux, les gens de mauvaise vie, ce que nous étions. C'est ce que nous étions dans Cana. Voilà pourquoi il a fallu que l'Éternel Judas puisse descendre pour aller prendre une femme à Cana. Donc, si toi, tu es un homme impur, tu es un pécheur, comprends que la première mission de Dieu, c'est d'abord de venir en Cana pour te chercher. Je répète ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, une prédication qui n'enlève pas le peuple au péché. Toute connaissance qui n'amène pas le peuple à abandonner la vie du monde n'est pas une prédication de Dieu. Tout message qui fait de toi quelqu'un qui connaît beaucoup, mais dont la conduite ne reflète pas la vie de la parole, cette connaissance-là, elle n'est pas de Dieu. Donc, la vraie connaissance de Dieu doit produire en l'homme la transformation de la vie. C'est ça la raison d'être du déplacement de Judas. C'est pourquoi la femme que Judas doit trouver, elle ne devait pas la trouver chez ses frères. Elle doit aller la trouver à Cana. Parce que Cana, c'est ça le monde, frère. Donc, l'église du Seigneur, l'église, vous savez aujourd'hui pourquoi nous nous plaignons de la malhonnêteté dans le monde. Aujourd'hui, on se plaint. Tout le monde est voleur. Tout le monde est malhonnête. L'immoralité bat son plein. La raison est simple. Parce que les églises locales du Seigneur se sont détournées de la mission de la parole. Ils se sont écartés de la mission première qui leur a été confiée.
Nous ne venons pas à l'église parce que nous voulons danser. Non, frère. On ne vient pas à l'église pour montrer nos vêtements. Non, non. Nous ne venons pas à l'église pour attester que nous avons des biens. Non, frère. La mission de l'église, c'est d'abord que nous qui étions païens, nous qui étions cananéens, Judas est venu pour nous épouser, c'est-à-dire pour nous marier. C'est pourquoi il est écrit dans la parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Attention, j'avais dit quelques jours passés ici, ton mariage avec ta femme, vous ne formez pas une seule chair. Ça, c'est très mal expliqué l'écriture. Non, bien aimé, tu vois ta femme là que tu as, c'est elle qui est ta cote. J'ai dit non, ta femme n'est pas ta cote. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ta femme n'est pas ta cote, frère. Non, non. Quand Dieu disait ces choses, écoutez, frère, quand Dieu expliquait ces choses, Dieu expliquait les choses du royaume. C'est pourquoi je vous ai dit que si nous prenons un homme aujourd'hui, nous le faisons entrer dans la radiologie. Si on vérifie ses côtes, nous verrons que ses côtes sont au complet. Il n'y a aucun homme qui a une côte de moins. Non, frère. Aucun. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, la Bible dit, si ta femme meurt, tu peux en épouser une autre. Maintenant, je te pose la question. Si ta première femme était ta côte, et que celle-ci est morte, tu en épouses une autre. Finalement, toi, tu as combien de côtes? Quand une femme est adultère, il faut la chasser. Ça, c'est ma confession. Si vous comprenez? Ça peut te déranger, mais c'est ma confession. Moi, j'ai la confession qu'une femme est adultère, infidèle, on la chasse. C'est ça même le pardon de Dieu. C'est ça le pardon. Adam a péché, Dieu vient, il prend la peau de l'animal, il couvre sa nudité. Après, il ouvre la porte du jardin, il demande à la femme de sortir. C'est ça le pardon. Ok? Ça, c'est le vrai pardon. Je vous donne le vrai pardon. C'est pourquoi il y a des choses que vous appelez mariage que Dieu n'a jamais appelé mariage. Parce que moi, j'ai la confession que si cette femme est ta femme, que Dieu te l'a donnée, cette femme ne peut pas être infidèle dans ta maison. Non. Fils d'Abraham. Ici, je ne parle pas des gens qui se sont mariés quand ils étaient païens. Ok? Je ne parle pas des gens qui se sont mariés quand ils étaient païens. Non. Je parle des fils d'Abraham qui épouse une fille d'Abraham et que la fille d'Abraham entre dans sa maison. Elle ne peut pas être adultère. C'est ça la foi. C'est pourquoi dans les Écritures, il n'y a aucune femme d'un prophète, d'un patriarche qui a été infidèle dans sa maison. Non, frère, non. Mais comme nous sommes sous le soleil, il y a certains qui se sont mariés par plaisir. Il a vu une jolie femme avec des joues, bien joufflues. La femme est très belle. L'homme a été attiré par la beauté de la femme. Il est allé marier cette femme, alors que ce n'était pas sa femme. Les autres se sont mariés parce qu'il a eu pitié d'une femme. La femme avait tel... elle souffrait tellement, tu as eu pitié d'elle, tu l'as épousée. Tu comprends? D'autres se sont mariés parce que la femme a beaucoup d'argent. Quand tu étais païen, ça nous pouvons comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nos enfants d'aujourd'hui, qui connaissent le Seigneur, fils d'Abraham, tu épouses une fille d'Abraham. Je vais vous dire, frère, c'est pourquoi Ève a été retirée dans le corps d'Adam. Parce que Ève avait le même sang qu'Adam. Donc, le sang qui circulait dans les veines d'Ève, c'était le même sang qui circulait dans les veines d'Adam. L'os de mes os, chair de ma chair. Oh, cette chose,
Dieu l'explique par rapport à lui-même et à l'Église. Voilà pourquoi nous croyons qu'un peuple racheté, celui que Dieu a racheté du péché, qui porte le même sang que Dieu, ne peut pas abandonner la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais dans la nature, ça peut y arriver. Voyez-vous, dans la nature, il y a des hommes qui se sont mariés. Après s'être mariés, se sont retrouvés en difficulté. Ils ont dit, maintenant il y a quelqu'un qui dit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. J'aime ça. Donc nous croyons que celui que c'est que les hommes, l'homme et la femme que Dieu a unis, personne ne peut les séparer. Maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que c'est Dieu qui les avait unis? Cette question, vous ne la posez pas. Voilà pourquoi j'ai dit et j'insiste, frère. Quand on est fils d'Abraham, il faut respecter la consigne de la maison. Un fils d'Abraham, il sait que il doit aimer sa femme et il ne peut pas être infidèle. C'est un fils d'Abraham, il sait la loi. Il ne le fait pas parce qu'il a peur, non. Il le fait parce que c'est ça, la loi dans la maison d'Abraham. La fille d'Abraham aussi sait que dans la maison de notre père, je dois me soumettre à mon mari, je ne peux pas être infidèle à mon mari. C'est la loi dans la maison d'Abraham. Voilà pourquoi on ne peut pas entrevoir les divorces pour les fils et filles d'Abraham. Non! C'est pourquoi Jésus a répondu aux pharisiens. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme avaient la même loi et l'homme et la femme respectaient la même loi. Voilà, vous comprenez ce que j'ai dit maintenant? Vous comprenez maintenant ce que j'ai dit? Voilà pourquoi j'ai dit et j'insiste que dans la maison de l'Éternel, on ne peut pas entrevoir les mariages. Maintenant, suivez. Rentrons pour que nous puissions bien nous faire saisir. Donc, la cananéenne que Juda épouse, là, je venais d'aborder l'aspect pastoral, hein, tu vois, j'ai fait la pastorale. J'ai exhorté les frères et les sœurs de ne pas se marier par sentiment. D'être rassuré que celle que j'épouse, c'est la fille de mon père. Nous avons le même sang. C'est ce que Abraham avait dit. Sarah est certainement ma sœur, ma demi-sœur, fille de mon père. C'est-à-dire, nous avons le même sang. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les bien-aimés, les frères et sœurs qui sont dans l'église où nous prions. Je vous ai toujours dit, quand arrivera le moment de te marier, ne va pas prendre une étrangère. Tu souffriras beaucoup. Ne va pas au GI une vision. Non. J'ai toujours dit que, à force de regarder, tu peux avoir des songes. Tu vois, quand tu envies beaucoup une femme, tu l'envies tout le temps, tu vas aller la rêver. Donc, quand tu rêves cette femme, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a montré. Non. Donc, l'excès des pensées ont entraîné chez toi des songes. Donc, si tu veux te marier, marie-toi dans la maison d'Abraham. Marie-toi dans la maison de ton père. Ici, la maison d'Abraham, c'est la parole. Tu seras en paix. Mais pour ceux qui sont païens, qui se sont mariés comme des païens, nous n'allons pas leur appliquer la loi d'Abraham. Nous laissons Dieu se charger d'eux. Quand vous venez à l'église, Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi nous vous prêchons maintenant pour que vous commenciez à observer la loi dans la maison d'Abraham. Voyez-vous, frère? Donc si quelqu'un était païen à l'époque, il s'est marié à l'époque, où il a fait des divorces ou quoi, c'était un païen. Donc ne viens pas lui appliquer la loi de la maison d'Abraham. Non, 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 c'était un païen. Il a fait des enfants quand il était païen. Il était païen, frère. Donc,
Dieu sait comment il va se charger de lui. Mais pour nos, les enfants qui naissent dans notre maison, c'est-à-dire dans la maison d'Abraham. Tu vois? Donc, quand tu nais dans cette maison, dans la maison d'Abraham, vous qui êtes nés dans cet évangile, vous qui connaissez Dieu, vous qui craignez Dieu, quand tu veux te marier, marie-toi à un homme ou à une femme qui craint également Dieu. Mais si vous étiez marié jadis, eh bien, venez tel que vous êtes. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, venez tel que vous êtes. Ici, j'ai fait la pastorale et l'évangélisation. Maintenant, je rentre dans Genèse chapitre 38. Donc, le mouvement de Juda qui vient prendre la Cananéenne, nous comprenons que c'était Dieu qui était venu pour nous racheter. Et je vous ai, et vous allez remarquer, frère, le mariage, c'est toujours enlever la femme entre les mains de ses parents. Le mariage, c'est toujours l'homme qui vient arracher la femme sous la tutelle de ses parents. La femme qui était sous la responsabilité de ses parents. Le mariage consiste à l'enlever sous cette responsabilité. Consiste à dégager la femme entre les mains de ses parents. C'est ça la doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je rentre dans Genèse. Lorsque Dieu crée Ève, parce qu'ici vous comprenez que Dieu, c'était lui le parent de Ève. C'était le père et la mère d'Ève. J'ai déjà expliqué plusieurs fois qui était la maman d'Ève. J'ai déjà expliqué ça. Donc Dieu était le parent de Ève. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu amena Ève vers Adam. Donc Dieu venait de donner Ève entre les mains d'Adam. Dieu venait de se dégager de la responsabilité de Ève. Jusque là, Ève était sous la responsabilité de Dieu. Faites attention, faites attention. Ici, je parle comme un pasteur. J'ai fait la pastorale, hein? J'ai fait la pastorale. Ici, j'identifie Dieu comme étant le parent dans la doctrine d'Ève. Mais le parent doit remettre la femme entre les mains de l'homme. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile, tu ne peux pas prendre la femme, la fille d'autrui, sans que les parents de la fille t'aient donné leur fille. C'est une abomination. Ce n'est pas la règle dans la maison d'Abraham. Même si les parents de la femme sont des sorciers, des occultistes. Ouais, frère, d'abord, toi, tu es têtu. Hein? Donc, toi, là, avant d'aller épouser cette femme-là, tu n'avais pas vérifié que ses parents sont des sorciers. Tu n'as pas vérifié que ses parents sont des occultistes. Voilà comment tu te moques des dieux. Maintenant, tu veux nous piéger en nous disant, parce que ses parents sont sorciers, voilà pourquoi je ne peux pas aller doter la fille d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non! Vous comprenez? Ici, je suis en train d'expliquer véritablement les profondeurs de Dieu. Donc, quand c'est Dieu, des fois c'est vous, c'est toi, par tes sentiments. Mais quand c'est l'éternel Dieu qui t'a donné cette femme, frère, Dieu ne peut pas aller au-delà de ses principes. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est un homme respectueux qui respecte la parole qui sort de sa bouche. L'éternel Dieu est esclave de ce qu'il dit. Quand il dit une chose, la chose doit s'accomplir certainement, parce que c'est lui qui a dit. Donc, Dieu vraiment t'a dit que ça, c'est cette femme qu'il t'a donnée. Ensuite, le même Dieu te donne la révélation que les parents de la femme sont des sorciers. Voilà pourquoi tu ne peux pas les doter. Ça, c'est pas. Je ne crois pas à un Dieu comme ça. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de ma confession. Je t'ai dit, si les parents de la femme sont des occultistes, et que si c'est Dieu qui t'a donné cette femme, parce que cette femme prie dans la même église que toi,
dans la même assemblée. Il a la foi comme toi. Si c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu, il va t'amener à donner la dot. La Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur, frère. Et la Bible de surenchérir que les enchantements, la divination, n'ont aucun effet sur Jacob. Donc, même si les parents de la fille est sorcier, comme toi, tu es fils dans la maison d'Abraham, la sorcellerie de son père ne peut pas t'atteindre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La sorcellerie de son père ne peut pas t'atteindre, frère. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, je te dis, frère, ils te chercheront, mais ils ne te verront pas. Alors, ne viens pas fuir en nous disant, je ne peux pas donner la dot parce que les parents de la femme sont des sorciers. Non, tu donneras la dot. Parce que c'est ça la loi dans la maison d'Abraham. Donc, Dieu lui-même donne Dieu. Il prend sa fille, Ève, il donne sa fille. Est-ce que vous comprenez? Il donne sa fille à Adam. Et lorsque Adam récupère la fille, désormais Ève était sous la responsabilité d'Adam. J'aime ces choses, j'adore ces choses. Donc Ève, c'est ça la doctrine. Quand tu veux épouser quelqu'un, tu veux épouser une femme, sache que cette femme est maintenant sous ta responsabilité. Tu dois nourrir cette femme, tu dois la vêtir, tu dois la défendre, tu dois prendre soin d'elle. Et toi aussi, femme, tu n'es plus sous la responsabilité de tes parents. Tu ne peux pas tout le temps. Papa avait dit, je suis allé consulter mon père. Tu vois, mon père a dit, mon père pense. Non. Donc, quand on t'épouse, c'est on t'enlève dans la responsabilité de tes parents. Est-ce que j'ai dit que tu puisses haïr tes parents? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est comme ça le respect des Écritures. Mais j'étais ici dans la partie pastorale. Maintenant ici, je voudrais monter dans la partie prophétique de la même écriture. Arracher la femme entre les mains de ses parents veut aussi dire, toi qui étais sous les coups du péché, toi qui étais esclave du péché, toi qui étais sous la domination du péché, Jésus qui vient t'épouser, te dégage, il est en train de t'extirper entre les mains de ceux qui étaient en train de t'asservir. Voyez-vous? Donc, toi qui étais pécheur, toi qui vivais dans le monde, toi qui vivais à la manière du monde, toi qui vivais à la manière des hommes de ce monde, le mariage avec Dieu veut dire, vous voyez, nous avons entendu des gens qui chantaient. Comme on dit chez nous, hein, chez nous à Lingala. Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, Namotema. Je vais dire ça en français. Donc je me suis marié à Jésus. Je me suis marié. L'homme dit qu'il s'est marié à Jésus. Mais il continue à vivre comme il vivait jadis. Il continue à vivre comme il vivait dans le monde. Mais il dit qu'il a épousé Jésus. Non! Épouser Jésus veut dire tu as quitté le monde. C'est ça le sens du mariage. Oui, frère. Donc, Dieu, quand il dit ces choses, il a la pensée prophétique de la chose. Il a la pensée spirituelle de cette chose-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit qu'il a rencontré le Seigneur, il faut qu'il quitte son père et sa mère. Quitter son père et sa mère ici ne veut pas dire d'abord quitter ton père et ta mère physique. Non. Dans la doctrine, nous comprenons qu'il faut que tu quittes la maison de ton père. Mais, dans sa portée prophétique, il faut que tu aies quitté la vie du péché. Frère, c'est notre combat de tous les jours. C'est pourquoi moi, je ne manage jamais
des hommes et des femmes qui vivent mal, mais qui se disent chrétiens. Cette chose-là, je m'excuse beaucoup, ça ne marchera pas avec moi. Les gens peuvent nous insulter, nous traiter d'orgueilleux, nous traiter de n'importe quoi, merci que Dieu soit loué. Mais moi, j'ai en horreur les gens qui, au nom de Dieu, qui se disent chrétiens, qui se disent frères, dont les comportements n'attestent pas qu'ils ont connu Dieu. On ne peut pas avoir des frères et des sœurs qui mentent comme ils respirent, mais qui disent qu'ils connaissent le Seigneur. Non, frère. On ne peut pas avoir des hommes et des femmes qui prient, mais qui sont malhonnêtes. Non! On ne peut pas avoir des hommes et des femmes qui prient, mais qui sont dans les magouilles. Non, frère. Pas des hommes et des femmes qui prient, qui sont cupides. Donc, vous voyez, frère, donc, c'est ça ce qu'on dit, vous crucifiez de nouveau le Seigneur. Vous comprenez que Judas, quand il est en train de prendre la femme cananéenne, Dieu parle de l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris. Pourquoi vous avez beaucoup de, vous voulez beaucoup de connaissances. Non, parce que vous n'avez pas compris l'essence de la connaissance. Si quelqu'un comprend ces choses, alors il saura comment se tenir dans la maison de l'Éternel. Si tu comprends pourquoi Judas est allé prendre une fille cananéenne dans le pays de Cana, si tu comprends que c'est en d'autres termes, mais que le Seigneur est venu te racheter du péché, il est venu te prendre, toi qui vivais dans le monde, pour que tu ne sois plus esclave du péché, pour que tu ne sois plus sous la domination du péché, pour que tu ne sois pas sous la domination du prince de ce monde. Voilà pourquoi il doit t'épouser, il doit te racheter. Donc, le mariage, dans le sens de la Bible, c'est racheter la femme entre les mains de ses parents. Et on ne peut pas racheter gratuitement. Non, non, frère. Oh non, je suis allé dans une coutume. Tu vois, dans cette coutume-là, on peut te donner la femme gratuitement. Frère, c'est faux. On ne te donne pas la femme gratuitement. Jamais. Il y a toujours des manières où tu paieras pour cette femme-là. Mais même si la coutume dit ça, ça ne nous regarde pas parce que ça ne nous concerne pas. Mais dans la maison d'Abraham, tu ne prendras pas la fille d'autrui gratuitement. Voilà pourquoi j'exhorte également les frères qui ont cru au Seigneur. Je peux comprendre que tu étais encore païen. Tu as pris la femme, la fille d'autrui. Tu as fait des enfants avec. Vous vivez ensemble. Ce n'est pas grave. Mais maintenant que tu as connu la parole, maintenant que tu connais Dieu, je te montre la voie par excellence. Va chez les parents de la fille et va racheter. Est-ce que vous comprenez? Va chez les parents et récupère normalement, dans la voie légale, selon la Bible. Tu ne le fais pas pour faire plaisir à ta femme. Vous savez, il y a beaucoup de hommes qui pensent que quand il épouse la femme, c'est pour faire plaisir à la femme. Je lui ai fait plaisir. Ah bon? Non. Un enfant de Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Tu ne l'as pas épousé parce que tu lui as fait plaisir. Non. Ce n'est pas pour lui faire plaisir que tu l'as épousé. Tu l'as épousé véritablement pour accomplir la loi dans la maison d'Abraham. C'est cette loi dans la maison d'Abraham qui te pousse à aller accomplir cet acte. Est-ce que vous comprenez? Donc, Judas qui épouse cette cananéenne, la pensée cachée de cette écriture, veut tout simplement nous faire comprendre que nous qui étions pécheurs, nous qui étions éloignés, nous qui étions sous la responsabilité du monde, nous qui avions pour parents les démons, les péchés, parce que les péchés dominaient sur toi, c'est le péché qui te conduisait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le péché qui était ton père, c'est le péché qui était ta mère. Voilà pourquoi, pour te racheter, il faut qu'on puisse t'arracher entre les mains
de tes parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, laissez-moi appeler un petit exemple pour expliquer la même chose. La Bible dit qu'un jour, David se présente devant Saül. Souvenez-vous que David est de la tribu de Juda. Alors, Saül lui pose la question. Comment feras-tu pour battre Goliath? Frère, il faut bien lire la Bible. On pose la question. Saül pose la question à David. Je veux que tu m'expliques. Ton entraînement. Comment? Tu as fait du pompage? Tu as soulevé les poids? Toi, comment? Explique-moi. Comment toi, tu battras cet homme? J'aime ça. David, pour répondre à cette question, David explique le mariage. David explique les mouvements de Juda qui abandonne ses frères, qui va prendre une Cananéenne. David dit, un jour, j'étais en train de paître les troupeaux de mon père. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, j'explique le mariage. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que, frère, quand nous expliquons les Écritures, nous ne faisons pas un alignement des versets bibliques. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que les ministres empruntent des chemins qui n'ont pas été empruntés. Parce que le ministre, c'est un producteur des enseignements. Ici, David est en train d'expliquer le mariage. Il dit, un jour, j'étais en train de paître les troupeaux de mon père. Un lion est arrivé, il a récupéré la brebis. Est-ce que vous comprenez? Donc, la brebis était dans la gueule du lion. Donc, la brebis était sous la domination du lion. Écoutez, ici, les lions, ce n'est pas Dieu. Ici, les lions, c'est le diable. Je vais donner une écriture. Laissez-moi vous donner une écriture. Pour que nous puissions bien nous faire comprendre là-dessus. Ok? Il est écrit. Souffrez. Qu'est-ce qui est écrit? Je cherche l'écriture. Regardez. Je suis dans 1 Pierre. Chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il est écrit. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Donc, ici, Pierre nous fait comprendre que le diable aussi est un lion. Est-ce que vous comprenez? Qui cherche qui dévorer. Dévorer ici, ce n'est pas que le lion va te manger, que le diable va te manger, non. C'est-à-dire que tu seras sous sa coupe, sous sa domination. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand David dit qu'un lion est venu, il a récupéré la brebis dans sa gueule. Donc, nous comprenons qu'ici, David voit le lion ici comme étant le diable. Qui est en train de dominer sur la brebis. Est-ce que vous me suivez, frère? Ah, laissez-moi appeler une autre écriture. La Bible dit, au pays de Babylone, on prit Daniel, on l'a mis dans la fosse aux lions. Ici, les lions. On avait jeté Daniel pour que les lions puissent les manger. Voilà, vous comprenez? Donc, pour que les lions puissent les bouffer. Les lions ici représentent aussi les diables. Malheur à eux, parce que la bouche leur a été fermée. J'ai pris cela par l'exemple. Est-ce que vous me suivez? Regardez, frère. Ne perdez pas votre temps à répondre aux autres frères. Si quelqu'un a des questions, il peut poser. Moi, je répondrai. Ne vous en faites pas. Regardez. Et aussi, ne vous attaquez pas à vos frères.
Des fois, quand quelqu'un ne connaît pas, c'est pas de sa faute. Donc, quand quelqu'un ignore, il ignore vraiment. C'est pourquoi des fois il dit des choses parce qu'il est ignorant. Donc, il faut les regarder avec compassion. Lorsqu'on va parler et discuter, il comprendra. Ok? Maintenant, regardez maintenant. Merci beaucoup, bien-aimé, sœur Bobette. Donc, David dit, parce que Saoul voulait vérifier comment il fera pour battre Goliath. Mais David, au lieu d'expliquer comment il va battre Goliath, David va nous expliquer un mouvement que lui-même David a accompli. Il dit, j'étais en train de paître le troupeau de mon père quand un lion est arrivé. Il a pris la brebis dans sa gueule. J'ai poursuivi. J'aime ça. J'adore ça. Donc, David a abandonné les autres troupeaux. Hein? Il a donc abandonné les autres brebis. Il va donc courir. Donc, il fait les déplacements. C'est ça, Juda, qui s'éloigne de ses frères. Vous comprenez? C'est ça, Juda, qui s'éloigne de ses frères. Donc, il quitte. Il va donc courir. J'ai dit, ça là, c'est le mouvement de Juda. Or, pendant ce temps, la brebis était déjà partie avec les lions. Donc, la brebis était dans le pays de Cana. La brebis était dans le monde. Il était sous la domination du malin. Maintenant, la mission de David, c'était d'aller et de récupérer la brebis qui est dans la bouche. J'ai dit, récupérer la brebis dans la bouche, c'est ça le mariage. Vous voyez, frère? Vous voyez? Donc, nous étions sous l'égide du diable, nous étions sous l'égide de ce monde, nous étions braillés. Voyez-vous? Maintenant, le Seigneur s'en va pour nous récupérer. Je descends. La mission du ministère, c'est d'arracher tous ceux qui sont dans la gueule du lion. C'est de ramener tous ceux qui sont dans la gueule du lion pour qu'ils y viennent au Seigneur. Et si vous comprenez ce que nous, c'est ça même l'essence du mariage. Le mariage, frère, c'est pourquoi un jour, les pharisiens posèrent la question à Jésus. Un homme avait sa femme, il est mort. Son petit frère a épousé la même femme. Le petit frère meurt. Ils ont pris, 7 personnes ont pris la même femme. Faites attention, frère. 7 frères ont pris la même femme. Ici, nous disons, Dieu parle de lui. Ça cache les mystères. On ne pouvait pas, 7 frères, prendre la même femme. Quand l'aîné prend la femme, l'aîné meurt. Ok, c'est ce que la Bible dit. Le deuxième aussi prend la même femme. Le deuxième meurt. Si nous étions chez nous, on va arrêter ce mari. La femme est sorcière. Comment une femme? Premier mari, il meurt. Il prend un deuxième mari, il meurt. Et vous continuez toujours à donner vos enfants à cette même femme. C'est ici que nous disons, quand tu n'as pas le ministère de la parole, tu ne peux pas comprendre ces choses, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que si vraiment nous étions, ça paraîtra normal et anormal. La même femme prend votre fils meurt, vous prenez le deuxième fils, il meurt, le troisième, il meurt, le quatrième, vous continuez à donner. Entre nous soit dit, vous allez dire non, cette femme est une sorcière et lui est en train de bouffer nos enfants. Mais la Bible dit que 7 sont partis avec la même femme. Et tous les 7. Et les disciples, les pharisiens posèrent la question à Jésus. En ces jours-là, qui va être le mari de cette femme? J'ai toujours aimé la réponse de Jésus. Parce que les gens pensent que quand nous irons au ciel, il y aura encore le mariage. Quand nous irons au ciel, tu vois qu'on a cherché ma femme et où? Où sont mes enfants? Tu vois, tu n'as pas compris les Écritures. Les Écritures ont échappé à ta connaissance, frère. Quand Dieu parle du mariage, Dieu ne parle pas de votre mariage pour vous retrouver au ciel. Si ta femme meurt, c'est fini. L'histoire est finie ici. Terminée.
Non, non, j'ai rêvé, j'ai vu ma femme au ciel. Non, faux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dieu a enseigné autre chose. Dieu nous a expliqué qu'en réalité, le mariage consiste à ce que nous quittions la vie du péché. Que nous quittions la vie du monde. Frère, c'est ça le sens du mariage. Donc, nous partons des éléments doctrinaux, mais pour expliquer en réalité la pensée céleste de l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement de gens qui m'appellent. Est-ce que vous comprenez? Pour expliquer la pensée céleste, la pensée d'en haut. Donc, quand Judas, là je suis dans le livre des Gênesis chapitre 38. Donc, quand Judas va prendre une Cananéenne dans le pays de l'homme d'Adoulam, ce mouvement-là, c'est le mouvement de Dieu lui-même qui descend pour prendre une femme cananéenne. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement parce que je suis en train d'atterrir. Parce que je vais introduire. Je n'ai même pas abordé les trois enfants. Maintenant, quand Judas prend cette femme cananéenne, la femme doit donner naissance aux enfants. C'est-à-dire que la femme doit produire. Il faut que la semence de Judas puisse engrosser cette cananéenne afin que la cananéenne puisse produire des enfants. Quelqu'un ne peut pas rencontrer Dieu et ne pas donner naissance. Je vais venir, je suis en train d'introduire parce que j'expliquerai les trois fils. Qui sont-ils? Mais ici, je reste encore dans la pastorale. Donc, Judas, la mission pour laquelle elle est allée prendre une cananéenne, c'est pour que la cananéenne tombe enceinte et qu'elle puisse donner des enfants. Et la cananéenne en a produit trois. J'aime ça. J'adore ça. Je reste dans l'exhortation d'abord. Laissez-moi rester dans l'exhortation. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas tomber enceinte. Je ne crois pas à cet évangile-là. Nous croyons à l'évangile que quand tu rencontres Judas, toi qui étais dans la gueule du lion, toi que l'Éternel a arraché dans la gueule du lion, il faut que tu tombes enceinte. Tu dois porter la semence de Judas. Donc Judas, quand il s'est déplacé, en réalité, il s'est déplacé avec une semence et il était à la recherche d'une terre. J'aime ça. Pour qu'au travers de cette terre, que Judas puisse poser sa semence. Laissez-moi rentrer dans le jardin, frère. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'était le déplacement de Judas, qui avait sa propre semence. Mais qu'est-ce que l'Esprit cherchait? L'Esprit cherchait une portion de terre, afin qu'il puisse se déverser dans cette terre. J'aime ça. J'adore ça. J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. Écoutez, écoutez. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit du Seigneur était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Voyez-vous? Pendant que l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, la terre était dans les eaux. Ici, je voudrais balancer la nuée et naviguer. Il y a une tempête, frère. Il y a une tempête terrible. Voilà, voilà. Ici, il y a une tempête, frère. Donc, quand l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux, la terre était sous l'eau. Donc, la terre était dans la gueule du lion. Ici, les eaux, c'est le lion. L'intérieur des eaux, c'est la bouche du lion qui retenait la terre. Donc, la terre était retenue captive dans la bouche des eaux. J'aime ça. C'est pourquoi l'Esprit de l'Éternel était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. C'était le déplacement de Judas. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'était la course de David. Il marchait pourquoi? Parce qu'il y a une terre qui était retenue dans les séjours des morts.
Est-ce que vous comprenez ça? J'aime quand quand je sens l'inspiration des choses de Dieu comme ça. Est-ce que vous remarquez? Remarquez. Je rentre. Je suis en train de célébrer les mariages. Nous célébrons les mariages des Écritures. Parce que l'évangile est une célébration du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul corps. Ce n'est pas le mariage de Bernard et de Jeannette. Non. Et c'est vous comment? C'est le mariage des Écritures. Le ministère a pour mission de célébrer le mariage des Écritures. C'est ça le ministère. Vous comprenez? Donc, le ministère, non, ce n'est pas un son. Non. Hein? Ça, c'est du français. Oh, le ministère est un accent. Non, c'est du français. Le ministère est une célébration des Écritures, frère. Donc, nous mettons les Écritures ensemble pour que l'homme de Jésus soit manifesté. Regardez ça, frère. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Laissez-moi corriger ça, frère. L'évangile, ce n'est même pas le pourquoi, le comment de chaque chose, non. L'évangile, c'est le pourquoi, le comment, le cas des Écritures. Hein? Pas de chaque chose. Ça, c'est encore une aberration. Ce n'est pas toutes les choses. Des Écritures. C'est cette précision-là que je voulais t'amener. Écoutez maintenant, frère. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, parce que je vous ai dit que Judas, son problème c'était de trouver une Cananéenne et de l'ensemencer. Donc, le problème de Judas c'était ensemencer la Cananéenne. Donc, tout le temps que Judas fait le déplacement après avoir abandonné ses frères et qu'il est en train de se déplacer pour aller dans le pays de Canaan, Judas avait sa semence. Ok? Donc, Judas était à la recherche d'une terre. Laquelle terre va lui permettre de prendre sa semence, de déposer. Donc, Judas avait besoin d'une bonne terre. Pas une mauvaise terre. Judas avait besoin d'une bonne, terre, frère. Vous voyez, frère, c'est pourquoi il y a la dot. Parce que c'est la dot qui nous produit la bonne terre. Mais quand tu étais encore chez tes parents, tu étais une terre, mais une mauvaise terre. C'est-à-dire, tu étais sous le coup du péché, esclave. Tu vivais selon le rythme de ce monde. Mais tu étais une terre, mais pas une bonne. Mais pour que tu deviennes une bonne terre, on doit donner la dot. C'est-à-dire, il faut qu'on t'arrache. Le fait de t'arracher, c'est ça qui fait de toi une bonne terre. Ici, il y a toute la fête des expiations. Que j'étais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à t'enlever entre les mains de tes parents, c'est en d'autres termes te nettoyer, te laver. Tu vois? Enlever les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises manières d'être, les mauvaises. C'est ça. C'est ça la raison de la dot. C'est pourquoi la Bible dit. Christ nous a rachetés d'un prix inestimable en versant son propre sang. Il a donné sa propre vie. Ouais, c'est ça la dot. Il paya le prix par sa mort pour que nous quittions, nous abandonnions la vie du péché. Mais avant cela, nous étions chez nos parents. C'est ça la gueule du lion. Ici, maintenant, je suis rentré dans Genèse. Parce que marcher dans la création, il faut avoir des bottines à 12 crampons. Pour aller comprendre ce que Dieu cache dans ces choses. J'aime ça, frère. Regardez bien. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de vous. En réalité, Dieu savait que la terre était sous l'eau. Il le savait. Donc, c'est le déplacement de Judas. Oh, j'aime les Écritures. Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. C'est pourquoi il y a une Écriture qui dit, à la quatrième veille,
Jésus marcha sur les eaux. Vous voulez que nous trouvions l'écriture? Attendez. J'aime ça. J'adore ça. J'adore les écritures. Mon bien-aimé Roland, est-ce que tu es là? J'aime ça. Matthieu chapitre 14. Le verset. Je vais commencer par le verset 24. Je vais finir dans 4 minutes, ok? Souffrez. Prenons le verset. Matthieu chapitre 14, commençons par le verset 22. J'ai lu ça. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je ne prêche pas ici. Parce que ici, frère, j'aime ça, frère. Tout est mystère. Hein? Ici, j'explique la création. Les disciples qui rentrent dans la barque et qui sont en train de traverser, c'est toute une création. C'est la création. Maintenant, le problème, c'est que comment tu célèbres le mariage? Il faut trouver Bernard, Jeannette pour les mettre ensemble. C'est ici que ça devient compliqué. Hein? C'est pas compliqué. Quand tu as le Saint-Esprit. Quand il y eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. J'aime les écritures. Jésus, après avoir renvoyé ça, il fait quoi? Il monte à la montagne. Hein? Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Ah! Donc, quand Jésus, dans le verset 25, avant de venir marcher sur les eaux, Jésus a quitté la montagne pour descendre. Est-ce que vous voyez le voyage de Judas? Il abandonne les lieux élevés. Vous comprenez? Maintenant, il commence à faire le voyage. Donc, il fait la descente. J'aime la Bible, frère. C'était pour attester qu'il était Judas, le quatrième fils de Jacob. La Bible dit, à la quatrième veille de la nuit. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la quatrième veille de la nuit. La Bible dit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Tout comme au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je t'informe, parce que tu ne le savais pas, que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était la quatrième veille. Pourquoi? Parce que c'était à la recherche d'une terre. Je m'excuse, frère. J'ai tellement de versets qui bousculent dans ma tête. Il y a tellement des inspirations qui viennent. L'Éternel Dieu dit à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. À la quatrième génération, moi, l'Éternel. Vous allez comprendre que Israël en Égypte, c'était la brebis dans la bouche du lion. C'était une terre sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi pour sortir de l'Égypte, ils devaient traverser la mer Rouge. Nous comprenons qu'avant la traversée, ils étaient sous l'eau. Donc, c'était une terre. Je rentre tout, un tout petit peu. C'est pourquoi, quand l'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, l'Esprit de l'Éternel recherchait une femme. L'Esprit de l'Éternel recherchait une terre. Or, la terre était sous l'eau. Donc, ici, être sous l'eau, c'est ça la bouche du lion. Nous étions tous esclaves, retenus, captifs entre les mains de l'ennemi. Ici, les eaux. Est-ce que vous comprenez? Les eaux représentent ainsi le pays de Canaan. Et dans ce pays de Canaan, il y a une terre. Frère, laissez-moi exhorter. Quand tu étais encore pécheur dans le monde, l'Éternel Dieu t'avait vu. Dieu t'a connu quand tu étais encore pécheur. Quand tu vivais encore dans la gueule du diable, l'Éternel Dieu t'avait connu.
Et comme il est Jéhovah Jireh qui pourvoit, il a fait en sorte que son esprit puisse d'abord marcher au-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, quand l'esprit de l'Éternel marche au-dessus des autres, il va crier au troisième jour. Dieu appela la terre des eaux. Ah, est-ce que vous comprenez? Ici, en d'autres termes, Dieu a ouvert la bouche des eaux. Parce que la terre était dans l'eau. Donc, Dieu a dit ouvrir la bouche du lion pour que la terre qui était cachée puisse sortir. Bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu. Parce que l'Éternel, Dieu a ouvert la bouche du diable pour que toi, tu quittes la vie de l'esclavagisme et du péché. Pour que tu abandonnes la mauvaise vie. J'adore le prophète Job. Job dit ceci. Concluons par là. Job dit ceci. Souffrez, hein? Souffrez que nous trouvions une écriture. C'est ce que Job dit. C'est là qu'on va finir. Il est écrit. J'ai lu. Job, chapitre 26, le verset 10. On conclut par là. La Bible dit ceci. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Hein? Donc, quand Dieu disait que la terre sorte des eaux, en réalité, Dieu avait tracé un cercle. C'est ce que Job dit. Donc, nous comprenons que la main de Dieu avait travaillé. Oh, que j'aime le ministère. Que j'aime le ministère. La main de Dieu. Job dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Qui toque. Donc, quand la terre sort des eaux, c'est pour mettre une limite entre les ténèbres et la lumière. Frère, mais non, mais comment, après que tu aies rencontré le Seigneur et que Dieu t'ait fait sortir, tu manifestes encore les œuvres des ténèbres? Quelque chose ne va pas, frère. Parce que là, on a tracé un cercle. Donc, Dieu a coupé les eaux. C'est ce que j'appelle, moi, ouvrir la bouche du lion. C'est ce que David avait fait. Il ouvre la bouche du lion. C'est ça, là, c'est ça, tracer le cercle. Donc, prenons. Proverbe chapitre... Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Laissez-moi lire le verset 27 pour conclure pour aujourd'hui. Il est écrit dans les Écritures. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, c'est Salomon. C'est Salomon. Salomon qui explique la création. Il explique que lorsque Dieu a disposé les cieux, il était là. Et lorsque l'Éternel a tracé un cercle à la surface de l'abîme, l'Écriture dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, dans cette surface de l'abîme, où il n'y avait que les ténèbres, Dieu, il prend un ciseau. Il fait un cercle. J'aime ça. Nalinga. Il fait un cercle à la surface de l'abîme. Le cercle, c'est là où ça va faire une porte pour permettre à la terre qui était sous l'eau de sortir. Dès que la terre est sortie des eaux, c'est alors maintenant que Juda peut poser sa semence, frère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas donner sa parole à quelqu'un qui est encore dans le monde. C'est pourquoi j'avais dit que la loi dans la maison d'Abraham ne concerne pas ceux qui sont dehors. Donc, avant que Dieu ne prenne sa parole, avant qu'il ne prenne sa semence,
Il faut premièrement, j'insiste, je dis, premièrement, qu'il t'arrache entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi je donne un conseil à tous les prédicateurs. Attelez-vous à la sanctification et à la perfection. Apprenez, enseignez au peuple à fuir la vie du péché. Apprenez au peuple à savoir se conduire dans la maison de l'Éternel. Il faut insister et parler. C'est ça le ministère. Frère, toute la Bible, c'est ça. Tout, j'ai dit des Genèse en Apocalypse, que vous montiez dans le coronavirus, que vous nous parlez de cette trompette, de cette chose. Tout ça, les problèmes, c'est qui sortir d'abord des eaux. C'est pourquoi Salomon, le sage Salomon, il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Et lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, pourquoi Dieu a-t-il tracé? Il a ouvert une porte. Ces cercles-là qu'on a tracé à la surface de l'abîme, c'est ça la mer Rouge séparée en deux. Voilà, 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 voilà. Pourquoi? Parce que la postérité d'Abraham était dans le pays d'Égypte. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a connus dans Abraham, mais nous nous sommes retrouvés dans le monde. Le diable nous a retenus captifs. Nous, fils d'Abraham, Dieu ne pouvait pas nous abandonner. Parce qu'il a dit dans sa propre bouche à Abraham, il est vrai que ta postérité descendra dans une terre étrangère. Et là-bas, il sera maltraité. Mais je t'ai fait la promesse, Abraham, que lorsque l'iniquité des Amoréens serait arrivée à son comble, moi éternel, je descendrai moi-même. Je vais ouvrir le ventre des eaux. J'ouvrirai sa bouche. Frère, c'est-à-dire quand l'Éternel est en train de séparer la mer Rouge, en réalité, c'était la bouche du lion. C'était ça la bouche de Pharaon. Que Dieu était en train d'ouvrir, frère. Pour que toi, qui étais esclave, tu puisses sortir de cette vie mondaine. Et une fois que tu es racheté, maintenant Dieu prend sa semence. Parce que tu es devenu une bonne terre. Tu es devenu une bonne terre. Je vous avais dit la fois passée. C'est pourquoi Dieu a refusé que Israël puisse adorer en Égypte. Il n'y a pas d'adoration en Égypte. Non. Quelqu'un qui vit dans le péché, même quand il chante, il n'adore pas. Il ne loue pas. Même s'il danse, il ne danse pas en réalité. Avant, il faut d'abord sortir. C'est ça la mission de la parole. Une fois que tu es sorti, maintenant Judas va mettre sa semence dans cette femme. Une fois que la semence est dans la femme, la femme doit produire 3 enfants. Toi, tu dois j'ai pris le ciel qui puisse ouvrir les églises des cieux. J'ai pris le ciel que Dieu ouvre la porte des cieux afin qu'il puisse te répandre sur toi sa bénédiction. Laquelle bénédiction va te donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que vous comprenez ça? On se fixe rendez-vous pour le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.